Están dans ta chambre. Ta vie, oui, oui, oui. Y'a l'eau. Ta vie est pas ça, pas ça. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est oui, oui. Hein. Il est cher. Il fait le mettre à 800. C'est parti. Il va de l'eau. 50 ans que 2000 là. Il dit 1 mètre à 2400. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Connectez-vous. Votre affaire de Lolo Beauté est fait vidéo et puis vous êtes venu en train d'insulter, insulter. Connectez-vous. Moi, je ne vais pas vous insulter, hein. Mais je vais vous donner des détails. Vous allez voir que on a parlé, j'ai parlé. Lolo Beauté aussi, elle a parlé d'abord. Moi, puis Lolo Beauté, on ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas. Voilà. Connectez-vous, vous allez voir. Vous allez voir que j'ai dit dans ma vidéo, quand ta bouche est remplie d'arachide, un grain d'arachide pourri tombe dedans, tu jettes tout. J'ai dit ça. Tu jettes tout. Quand les Didier Drogba étaient partis, quand ils sont partis en Europe là, c'est grâce à Didier Drogba qu'ils ont reconnu la Côte d'Ivoire. C'est grâce à Didier Drogba qu'on connaît Côte d'Ivoire. C'est grâce à Didier Drogba dans les autres pays là, on sait que Côte d'Ivoire existe. Vous avez compris? C'est grâce aux joueurs, les gens ont connu la Côte d'Ivoire dans les autres pays. Ils ont commencé à prendre les Ivoiriens au sérieux. Mais quand Lolo Beauté fait une vidéo, puis elle dit, les Ivoiriens sont des maudits. Mais tu te sens concerné, tu prends. Tu te sens concerné, tu prends. Tu te sens pas concerné, tu laisses passer. Elle a un truc généralisé. Moi, là, j'ai un conseil. Il y a quelqu'un qui me dit, quand il rate, là, il me dit, mon petit, tu es en train de rater. Tu es en train de rater. Mais quand il m'a appelé, je lui ai dit, je prends les intérêts. Vu le comportement de vos grands frères maudits qui sont en Europe, là. Il dit, ils sont grands frères. Ils vont à la mosquée. Parce que la plupart, là, ce sont les musulmans. La plupart des vidéobans, quand tu prends 10 vidéobans, il y a un seul qui est chrétien qui est dedans. La plupart, ce sont des musulmans. Tu as compris? Quand tu prends nos grands frères qui font des bêtises, tous les vidéobans sont concernés. Qui font de n'importe quoi en France, qui sont en train d'insulter les dirigeants matin, midi et soir. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas, hein, c'est en français tout s'exprime. Les Français qui sont là-bas, là, ils attendent. C'est eux-mêmes les langues, ils attendent. Ils vous voient. Chaque jour, ils sont connectés. 3000 personnes sont connectées. Quand ils sont directs, 5000 personnes sont en direct. Et demain, quand toi, tu vas rentrer dans un coin à café, et puis tu vas commencer à parler français, on sait que toi, tu es Ivoirien. Ils vont dire que les Ivoiriens sont impolis. Vous faites honte à l'Afrique. Je connais vieux Pella, sa femme est française. Sa femme dit les Ivoiriens l'ont dessus. Vous faites honte. Voilà, bien, vous faites honte. Parce qu'on ne peut pas vous insulter. Vous êtes malade, vous êtes cinglé dans la tête. Pourquoi vous n'insultez pas vos papas qui est à la maison? Pourquoi vous n'insultez pas? Martin, si ce n'est pas M. Soro qui veut insulter, il veut insulter à la Sawatra. Ce n'est pas la Sawatra, il veut insulter Bédier. Ce n'est pas Bédier, il veut insulter Babou. Quel est votre côté d'intelligence que vous avez mis dans votre tête? Vous êtes tous des cafris. Vous avez compris? Parce qu'on ne peut pas vous parler. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte. Honte à l'Afrique. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont honte. Quand ils rentrent dans le lieu public, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Ils ont très honte. Vous avez compris? Vous êtes cinglés. Matin, midi et soir, vous êtes connectés. En train d'insulter les dirigeants. Et puis, même, il y a Observateur. Là. Observateur est suivi jusqu'à même au Canada. Les Canadiens, ça sait que puis il y a une vidéo de trucs Observateur. Juste pour rire. Bon, on imagine que l'observateur faisait des bêtises sur les réseaux sociaux. On imaginait que l'observateur insultait les gens sur les réseaux sociaux. Il insultait les dirigeants. Est-ce que les gens, les Canadiens n'allaient pas savoir comment appeler le comportement des Ivoiriens?
Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Même le Cameroun, Paul Biya n'a rien fait au Cameroun. Mais tu n'as pas vu un Cameroun en train d'insulter Paul Biya. Combien de Camerounais qui insultent Paul Biya? On peut les compter. On peut les compter. On peut les compter. Vous faites honte. Vous êtes très bête. Vous êtes très bête. Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez compris? Vous n'êtes pas intelligent. C'est pas un jus. Je vous rappelle. Parce que si tu insultes, M. Soro Guillaume, il peut me mettre au monde. Quand on dit liberté d'expression, il faut dire la vérité. Vérité, là, ça, moi, il fait sortir. Moi, je ne cache pas de vérité. Je suis vérité. Je suis franc de mes trucs. Il peut me mettre au monde. Quand tu parles de Nana Bédier, il dit bien Nana Bédier. Dans mes vidéos, quand il parle, il dit Nana Bédier. Ça, c'est mon grand-père. Monsieur Alassane Ouattara, parce qu'il est président, quand il dit monsieur, sous l'OSEM, il est mon grand-père aussi. Et puis, quand tu prends Koudou Laurent Gbagbo, c'est mon grand-père aussi. Quand tu prends les quatre têtes de la Côte d'Ivoire, et puis les inconscients se connaissent en train de les insulter matin, midi et soir, tandis que leur père qui est à la maison, là, il n'arrive pas à insulter leur papa. Tandis que leur papa ne les a pas donné conseil comme ça. Dis-toi, tu es quoi? Tu es maudit. Pourquoi nous en Afrique, ici, quand un enfant t'insulte, là, tu veux frapper cet enfant? Pourquoi quand tu marches et puis un enfant te manque de respect, tu veux frapper ce petit, malgré que tu ne connais pas ses parents? Et même quand tu portes le petit, tu dis non, il a manqué respect à un monsieur qui est plus âgé. Et puis le petit, il est là, mais le monsieur âgé, donc il a manqué respect. Et puis quand son papa vient, il dit tu as bien fait de frapper. Maintenant quand vous prenez un truc au vol, vous arrivez en Europe, c'est de la merde. Insulter les dirigeants matin, midi et soir. Ça, quoi ça, le de beauté dit, vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Puis moi, c'est lui qui me dit, vous êtes des maudits de la Côte d'Ivoire en Europe. Vous avez compris? Vous avez fermé circuit de nous, nos frères qui sont en Europe. C'est compliqué. Vous avez fermé les circuits. Vous faites que la Côte d'Ivoire ne peut même pas arriver de l'avant. On a honte à votre place. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire, il y a les gens qui ne savent même pas s'exprimer. Quand ils veulent m'appeler, j'ai vu ton vidéo. On ne dit pas ton vidéo. Tu as compris? Il y a les trucs que nous tous on ne connaît pas. Mais chaque jour tu es dedans, j'ai vu ton vidéo, j'ai vu ton vidéo. Mais c'est toi qui te connais, tu veux insulter les dirigeants. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Matin, midi et soir, on fait une vidéo. Si vous êtes gamé là, prenez votre téléphone, faites vidéo. Connexion en Europe, on paye pas. Ça se promène dans votre annuaire, on paye pas. Faites vidéo. Faites vidéo. Il y a des gens qui sont connectés. Et si les Camerounais étaient mieux que nous, et ton fils n'avait pas venu marier Ivoirien. Qu'elle a parlé la généralité. Elle n'a pas parlé des femmes d'étau. Elle n'a pas parlé d'étau. Elle n'a pas parlé des femmes d'étau. Puis elle n'a pas parlé d'étau. Vous avez compris? Elle n'a pas parlé de femme d'étau. Mais quand tu es conscient, tu sais que si on rentre chez toi à la maison, malgré que tu vis en Europe, si on va chez toi à la maison, et puis moi j'insulte ton papa qui est assis à la maison, tu vas t'énerver là. Il ne faut pas insulter les dirigeants. C'est ça qui fait que. Et puis demain vous allez vous asseoir. Non? C'est M. Alassane Ouattara qui a fait qu'ils ont tué telle personne. C'est Soro Guillaume qui a fait qu'ils ont attaqué tel village. C'est Blé Goudé qui a fait. Pourtant, c'est vous-même qui vous avez distribué les armes dans la tête des gens. C'est vous-même, vous êtes à la base des problèmes de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? On va à Bengue pour aller chercher l'argent pour venir construire ici. On ne va pas à Bengue pour aller se faire voir en train d'insulter les dirigeants matin, midi et soir. Vous avez compris? Insulter les dirigeants matin. Tu ne connais même pas, tu n'as même pas le niveau de CE2. C'est toi qui veux faire la politique. Et là, le beauté parle, vous explosez sur la toile. Et c'est un Don Giovanni qui prend tout son temps à insulter Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Vous avez compris? Quitte sur ma page, Bamba. Bamba Karamogo. Tu es trop énervé. Tu quittes sur ma page. C'est ma page. C'est moi-même mon agent que j'ai pris pour critiquer. Quitte dessus. C'est fini. Tu as compris? Toi, Karamogo, si on insulte ton papa, ça va te plaire? Si on insulte tes grands-parents, ça va te plaire? Déterrer le corps de tout le Président de la République, c'est normal? C'est normal? Baba Karamoko, tu quittes sur ma famille et te bloques n'importe quoi. Pourquoi tu ne suis pas ton papa quand tu quittes? Tu viens prendre bénédiction chez ton papa ici. Est-ce que ton papa t'a une fois dit d'insulter quelqu'un qui a acheté? Ou bien le Coran t'a dit ça, ou bien la Bible vous a dit ça? Vous êtes tous des kafris, vous êtes tous des maudits. Moi je suis kafri, oui je prends. Mais vous êtes plus kafri que moi. Péché là, nous tous on prend. Vous avez compris? Vous parlez. Vous êtes parti à l'Europe pour vous faire fort ou bien? Est-ce que vidéo là, c'est ça qui augmente votre vie? Et c'est ça qui augmente votre vie. Et c'est un Don Giovanni qui se connaît matin, midi. On dit Daisy est mort. Daisy Champion est mort. Daisy Champion est mort. Ça a soulevé la Côte d'Ivoire. Mali, Burkina, Guinée.
Ghana, ça a soulevé les pays qui ont fait frontière eux. On dit deuxièmement, ça a même soulevé la France. Et puis Don Giovanni vient s'arrêter. Il dit, on vous dit un braqueur. Moi, il est maudit ou bien? Ce Don Giovanni, il est maudit ou bien? Et puis il dit, on vous dit un braqueur, mais pour vous soutenir ça. Il a un discours, un truc. Quelqu'un qui se met sur les réseaux en train d'insulter à la Samantra matin, midi et soir. Vous cautionnez ça? Mettez photo de vos papas, nous tous avons commenté à insulter vos papas. Pourquoi tu mets pas, quand tu mets photo de ton papa et puis on t'insulte là? Moi, mais quand on insulte maman, j'ai fait quoi? Quittez sur ma page. Quittez sur ma page. Ma page là, c'est pour moi. Quittez sur ma page. Voilà. C'est pour moi, c'est pas pour vous. Quittez sur ma page. Parce que j'ai commencé à vous insulter, vous êtes trop cinglés. Je parle de tout le monde. Je parle de tous les vidéos mal. Que ce soit les pros contre les pros contre, je m'en fous de vous tous. Vous avez compris? Vous êtes des bandes de merde en Côte d'Ivoire. Vous êtes bandes d'enculés en Côte d'Ivoire. Vous faites honte à l'Afrique. Vous avez compris? Vous faites honte. Vous faites très honte. Vous n'avez même pas niveau d'études. Matin, midi et soir, vous êtes connectés. Et puis après, vous avez dit non, les dirigeants, c'est eux qui ont envoyé la guerre dans le pays. Qui a envoyé la guerre? Qui vous a envoyé la guerre? Hein? Qui a envoyé la guerre? Les conneries, les bêtises, les comment on appelle, les bons à rien, les gens qui n'y gagnent. Vous-même, vous êtes couché en Europe là. Nos rêves là, venez développer l'Afrique. Venez développer l'Afrique au lieu de détruire l'Afrique. Venez développer l'Afrique au lieu de comment on appelle, de détruire l'Afrique. Ton papa ici, ta maman ici, d'autres même ont laissé les femmes ici, d'autres même ont laissé les enfants ici. D'autres, vous êtes vos petits frères ici, mais c'est dans le même pays là. Vous êtes assis sur les plaies, puis vous voulez lancer missiles ici. Détruire le cerveau des gens. Quand tu es suivi, j'ai fait ma première vidéo où Don Giovanni m'a suivi. J'ai dit, quand tu es suivi, cherche d'abord à sensibiliser la jeunesse. Aller de bon sens, de bon côté. Mais si tu vous voyez que non, dans tout Côte d'Ivoire là, il y a pro-temps, il y a pro-temps, il y a pro-temps, puis il n'y a jamais pro-Côte d'Ivoire. Dites-vous que c'est... chacun cherche son argent. Chacun cherche son dabali. Chacun cherche son tabali. Où allons-nous au juste? Où allons-nous au juste? Vous insultez les dirigeants matin, midi et soir. Puis vous dites que vous êtes normal. Vous dites que vous ça va dans votre tête. Hein? Matin, midi et soir, vous insultez les dirigeants. Est-ce que vous qui vous connaissez, vous insultez les dirigeants? Hier, j'ai insulté un pro-babo. J'ai dit, tonton, dis-moi la vérité. Si tous les présidents passaient puis construisaient la Côte d'Ivoire un peu là, est-ce que la Côte d'Ivoire va arriver là? Est-ce que la Côte va arriver là? Est-ce qu'Alassane Ouattara allait venir reprendre ces routes-là encore? Il va charger les routes-là pour partir? Je lui ai posé cette question, il n'a pas pu me répondre. Est-ce qu'il va charger la route-là ou il va charger les ponts-là pour partir? Le jour, il charge ses ponts et puis il s'en va là. Ce jour, on ne va même pas faire par là pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire ici. Mais vous êtes des mauvais grains. Hein? Vous êtes des mauvais grains. Vous êtes des ponts à rien. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Je suis pauvre. Vous n'êtes pas obligé de venir sur ma page. Désabonnez-vous. Les jeunes qui sont conscients vont rester sur ma page. Voilà. Voilà. Et c'était. Et ce Drouba. On communique chaque jour, moi et puis lui. Et il ose insulter ma mère con. D'abord. Moi, ma mère con. Regardez. Lui-même. Lui-même qui écrit dans le commentaire ma mère con d'abord. Quand tu vous voyez un homme comme ça qui écrit dans le commentaire de quelqu'un, sa mère, quoi, est-ce que quand tu le regardes, il a été bien éduqué? Est-ce que sa maman lui a conseillé ça? Il s'agit de ça. Est-ce que sa mère lui a conseillé ça? Est-ce que ta maman t'a conseillé ça? Est-ce que tu es vraiment musulman ou tu es vraiment chrétien? Aujourd'hui est vendredi. Après tu finis de dire ça, tu vas prendre ta route, tu vas là à la mosquée. Tu sais ce que tu vas dire là-bas? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que toi, je ne sais pas, il souhaite Drogba, qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Ta mère t'a conseillé que quand quelqu'un te dit à quelqu'un, il faut insulter sa maman. Qu'est-ce que toi tu vas conseiller là-bas? Ou bien toi tu es sorti du trou? Tu es sorti du trou? Hein? Tu vois quelqu'un? C'est avant qu'on insulte ma maman là. Je me perds la tête. Souvent il me fait les sacrifices. Mais vois que vous êtes tous des moutons. Parce que quand tu insultes ma mère, on sait que tu n'as pas de sujet, tu n'as pas de mots clés pour me convaincre. Tu n'as pas d'argument. Même pas ça. Tu n'as pas d'argument.
Zeko, c'est que tu n'as pas d'argument. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Les Yaya Touré, les Drogba Didier, les Gervinho Kouassi ont soulevé le drapeau ivoirien. Vous êtes parti, vous avez plié le drapeau ivoirien comme un torchon pour mettre dans vos poches, pour promener dans l'Europe là, en train de faire vidéo seulement, en train d'insulter les dirigeants matin, midi, soir. Comme si vous ne pouvez pas gérer vous-même votre propre foyer à la maison. Vous ne pouvez pas gérer vous-même votre propre foyer à la maison. Mais dites-nous où est passée la Côte d'Ivoire. On dit pays de l'hospitalité. Où est passée la Côte d'Ivoire? Tous les immigrants, même sont, tous les gens qui ont traversé l'eau, qui sont arrivés en Libye, là, veulent se mettre dedans actuellement pour faire la politique. Pour faire la politique. Où allons-nous au juste? Qu'on se connaît, ta mère, qu'on d'abord, toi ta maman, elle est là quoi? Toi ta mère qui t'a vu, elle est là quoi? Elle a tout. Ou bien c'est tout qui a balayé, ou bien c'est bois. C'est bois, ils ont creusé tout dedans. N'y a qu'on d'après l'eau, le pouté. Les bêtises comme ça, c'est ça qui vous plaît. Sur les réseaux sociaux. Les conneries comme ça, c'est ça qui vous plaît sur les réseaux sociaux. Je m'entorche de tout et chacun de vous. Voilà. Si tu sais que tu es honnête, tu es honnête. Moi, je vois, il y a une vidéo de plein de personnes ici qui n'ont jamais insulté quelqu'un. Vous avez compris? Je regarde une vidéo de plein de personnes ici qui n'ont jamais insulté quelqu'un dans les vidéos, qui n'ont jamais insulté un dirigeant. Il ne fait qu'à parler de leurs trucs, de leurs parents. Il ne fait que parler de leurs parents. Mais tu as su en Europe, là, pardonnez, campagne présidentielle, là, ça va commencer. Venez au pays. Bon, Jairia sur Facebook là. Venez au pays. Venez au pays. Vous avez compris? Venez au pays. Bon, Jairia, vous faites sur Facebook là. Campagne électorale va commencer. Venez au pays. Si Lolo Poté a dit que les Ivoiriens qui sont en Europe sont des maudits là, tu te sens concerné là, tu prends. On dit les immigrants sont des maudits. Moi, on m'a dit ça au quartier. Ceux qui sont partis à Libye sont des maudits. Je suis venu m'asseoir au quartier. J'ai dit, je vais vous prouver que je ne suis pas maudit. Au du moins, je dis aux gens du quartier qu'ils sont maudits. Parce qu'ils sont plus âgés que moi et puis ils tombent au salon. Donc, ils sont toujours maudits. Il dit ça. Lui-même qui s'est moqué de moi, quand il passe, il l'appelle salonnier. Je lui dis, il est maudit. Parce qu'il a âgé que moi et puis moi, il dort chez moi et puis il aime mon magasin. Mais lui n'a rien. Il consulte la nourriture de sa main. Hein? Arrêtez ça là, hein. Arrêtez ça. Si tu penses que insulter un dirigeant c'est propre, va insulter ton propre père qui est à la maison. D'abord. Va, tu vas insulter ton propre père. Sinon, les dirigeants de tout cas, de Côte d'Ivoire, les politiciens n'ont même pas envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous. Moi, il y a les gens qui m'appellent. C'est il faut faire vidéo pour telle chose. Je ne me crie pas. Sur les Drogba, tu vas devenir célèbre. Ça là, c'est pas mon problème. Parce qu'il dit non, ton nom dans ma vidéo, tu es content. Mais sache que ma mère, quand tu m'insultes là, quand tu vas prendre, si tu es musulman, tu vas prendre ton tasabia, tu vas commencer à prier là. Avant de rester fatigué là, tu vas te rappeler. Si Allah existe, si le prophète est venu pour nous conseiller là, tu vas te rappeler. Quand tu vas prendre ton âme de prière là, lorsque tu vas t'abaisser pour faire Allah Akbar, tu vas te rappeler, tu vas te souvenir de ça. Ma maman là, elle est un con. C'est dans ça qu'il suis quitté. T'as compris? C'est toi, tu ne sais pas, tu me rappelles. C'est toi, tu ne sais pas. Sinon, ma mère, elle a ça. C'est dans ça, moi, je suis quitté pour venir sur cette terre-là. Tu as compris? Et puis, elle m'a conseillé pour dire, ne suis pas maman des gens. Ne suis pas papa des gens. Tu as compris? Ne suis pas maman des gens, ne suis pas papa des gens. Faites honte à l'Afrique. Faites honte à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a osé insulter le président malien. Il n'y a pas quelqu'un. La majorité, vous écrivez dans les commentaires, tous. Je vous vois là, vous êtes les comment on appelle, c'est comment on dit en doula, la la la, toi ça dit quoi même? Vous êtes tous, vous n'êtes pas trop ça, vous êtes la la, toi. Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas trop ça, vous n'êtes pas trop ça, on doit appuyer sur la sensibilisation. Venez en Côte d'Ivoire ici, tu as insulté Soro non? Viens en Côte d'Ivoire, tu as insulté Babou non? Viens en Côte d'Ivoire, tu as insulté Bédé non? Viens en Côte d'Ivoire, tu as insulté Alassane non? Viens en Côte d'Ivoire, nous tous avons fait campagne électorale ensemble. On va faire campagne électorale ensemble. Voilà. On va faire campagne. Moi, c'est une campagne, je suis rien. Je suis un petit, je suis fouet. Peut-être tous ceux qui sont connectés là, tous peuvent me frapper. Moi, je n'ai pas force. Mais j'ai dit, venez en Côte d'Ivoire. Vous êtes des moutons. Moi, je vais commencer à vous insulter dans les quais, dans le coin de bus. Moi, je vais partir faire la sensibilisation. Il y a un gars qui me dit, faut faire tout ce soir, tu as pris un coup. Prends quel coup? Prends quel coup? Viens face à face à moi, tu vas me donner ce coup. Les poirés, les assassins, les criminels de Côte d'Ivoire. Les criminels, les rebelles. Vous êtes tous des rebelles. Tous les vidéomans, vous êtes concernés. Si tu sais que ta vidéo, tu fais chaque jour pour insulter les dirigeants, tu es concerné. Si tu sais que tu fais ta vidéo chaque jour pour insulter les parents, tu es concerné. Tu as compris?
Si tu sais que les gens se connaissent, mais Lolo Bota parfaitement. Lolo Bota, elle est pervers. Quand tu participes pas de Lolo Bota, tu sais que Lolo Bota est pervers. C'est que Lolo Bouté fait des bêtises sur sa page. Mais écoutez ce que Lolo Bouté sort de sa bouche. Écoutez ce que Général Makosso fait sortir de sa propre bouche. Écoutez, écoutez Makosso. Écoutez Lolo Bouté au lieu d'insulter les familles. Écoutez-les. Tu as compris? Elle dit quand tu dis, quand elle dit les Ivoiriens sont motivés, tu te sens concerné, tu prends. Tu ne te sens pas concerné, tu te mets au travail. Au lieu de t'asseoir chaque jour en train d'insulter les gens. Mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Tu vas ici là, tu ne veux pas rentrer dans cette couleur et puis tu vas faire par là, tu vas faire par là-bas. Tu veux insulter une femme ici puis tu vas sortir. Ou bien tu vas insulter papa de quelqu'un, tu vas sortir. Encore une fois ici. Tu ne veux pas faire par là dans une cour de quelqu'un puis tu vas sortir. Même les petits gula, les petits musulmans, les petits gula, tu ne peux pas insulter les mamans. Tu ne peux pas insulter les mamans de quelqu'un. Il y a vu quelqu'un d'autre qui t'a tapé une femme. Moi, je suis parti sur lui. Au moins, il m'a raconté. Deux petits musulmans sont venus. Rapidement, elle est baroulée. Moi, je suis à Lila. L'alliance entre mes pilates, tant qu'ils ont tapé là. C'est moi, je ne dois pas te faire par là. J'ai traversé. Et même si le jeune, là, malgré que je ne mouais pas, le jeune, si on nous laisse colo-colo, je ne peux pas, il va me taper même. Il va me frapper même. Mais quand elle est traversée là, les autres là aussi, c'est les deux petits là qui ont traversé. Pour finir, quand j'ai vu dans la tête, j'ai oublié de leur demander pardon. Parce qu'elle a vu que là où ça s'en va là, ça s'en va loin. Moi, mais je les ai demandé pardon, qu'ils n'ont qu'à taper l'œil. Que bon, il a poussé la femme n'est pas tombée, il n'a qu'à taper l'œil. Mais vous acceptez qu'on insulte les dirigeants. Vous acceptez qu'on insulte nos parents. Vous acceptez que quand tu es ivoirien, puis tu es un malien, tu sais que toi tu es ivoirien. Et puis toi tu passes tout ton temps en train d'insulter Alassane Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu prends tout ton temps à l'insulter là. Qu'est-ce que tu gagnes au juste? Qu'est-ce que tu gagnes au juste? Dis-moi. Qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Quand vous connaissez et puis vous insultez, c'est ça que vous appelez la liberté d'expression? Dites-moi, quel est le sens de Facebook aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Lui-même qui a créé Facebook là-même, il a peur pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'on a utilisé le réseau social pour détruire la Côte d'Ivoire. Voilà, je ne croyais pas qu'un jour, j'allais devenir ivoirien. Voilà. Parce que vous ne voyez rien, mais c'est vous qui avez une grande gueule. Quand Lolo Bouta a parlé, elle a bien souligné. Un Camerounais qui vit en Europe, tu arrives chez lui au Cameroun, il a déposé sa maison. Mais un Ivoirien qui vit en Europe, il vient là, il loue maison ici pour dormir dedans. On se connaît. Il loue maison ici pour dormir dedans. Moi, j'ai fait ma vidéo, j'ai craché. J'ai un ami qui est en Italie qui est venu payer maison. Encore une fois ici. Arrête, ça va gâter mon moteur. Faut tailler ça à descendre. Ça descend. Genre, tu dois mettre ta pied, dit, c'est pas bon là. Voilà, ça là, c'est un peu bon. Je comprends. Merci beaucoup, Samira. Coucou, Samira, coucou. Oui, merci pour ton commentaire. Oui, ce sont les parents. Ce sont moi mes parents. Oui, ce sont mes parents. Tu as compris? Ce sont mes parents. Quand on dit parents là, quand on dit respecte tes parents là, c'est pas ton père et ta maman qui sont à la maison seulement. C'est eux qui sont là, les gens, même un enfant, faut le respecter parce que c'est pas d'où l'enfant l'a quitté. Vous avez compris? Quand toi on t'insulte, tu dis non, telle personne est pourrie. Quel petit insulte grand personne dans la rue, il est pourrie. Quel petit insulte telle personne dans la rue, il est pourrie. Mais vous les Ivoiriens, vous vous connaissez matin, midi et soir. En train de mobiliser la jeunesse dans la haine, en train de mobiliser dans la jeunesse dans la tuerie. Mine de rien là, qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire? Si en 2020, je touche du bois, il n'y aura pas ça. Mais si en 2020, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez accuser qui? Les dirigeants. Vous allez accuser qui les dirigeants? Et les vidomans qui incitent la jeunesse à la haine. Et les vidomans qui incitent la jeunesse à la haine. Ah mais je suis déçu de vous, hein? Je suis déçu de vous. Ma vidéo que j'ai fait, il fait ça pour moi. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Ils m'ont fou de quelqu'un. Personne ne paye ma connexion. Personne ne paye ma connexion. Tu es fier de la Côte d'Ivoire. Déplace-toi, viens ici. Tu as compris? Quand Don Giovanni Amit a pris tout son temps à insulter le président, moi, mais je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai fait la vidéo pour dire arrêtez d'insulter nos dirigeants, arrêtez qu'ils sont nos parents, arrêtez ça là. Don Giovanni m'a décortiqué sur Facebook. Les gens m'ont envoyé la vidéo. J'ai dit, m'en fous de lui. C'est pas même Don Giovanni qui est venu et au pays, il s'est retenu, il est en train d'insulter les gens à cause de la salle Ouattara. C'est pas même Don Giovanni là. Mais il est toujours maudit. Il est toujours maudit.
Parce qu'il pense que quand il va faire ça, là, les gens vont l'apprécier, les gens vont l'acclamer. Il est toujours maudit. Il est toujours maudit. Vous êtes là, vous, quand vous vous connectez là, vous ne pouvez même pas dire un mot, une phrase. Vous ne pouvez même pas souligner. Devant la caméra là, c'est comme public. Ils n'ont qu'à mettre Jamana. Vous parlez bébé sur Facebook. Il y a Jamana et puis on vous donne le micro. On dit parlez. Il n'y a pas quelqu'un. Tous les vidéos, il n'y a pas un qui peut prendre le micro devant les gens. Si moi je dis là, vous pensez qu'il est malade. Il n'y a pas venir encore. Il n'y a pas un qui peut prendre le micro devant les gens. Précontré. Il y a des gens qui viennent me prendre ici pour aller faire campagne. Il y a des gens qui peuvent me prendre ici pour aller s'assouvenir les jeunes là. On vient me prendre, on paye ma jeunesse. Dis alors tu as parlé à la jeunesse. Et puis il prend le micro, la jeunesse est d'accord. Parce qu'ils ne sont pas dans vos bêtises là. Ils sont dans vos bêtises là. Il y a pro X, il y a pro Y, il y a pro Z, il y a pro A, il y a pro Nya Nya Nya, il y a pro Nya. Quand même pro là, il y a pro encore. Dans son pro là, il y a pro encore. Pourtant il n'y a jamais pro Côte d'Ivoire. C'est quoi vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la paix en Côte d'Ivoire si on cherche? Hein? Est-ce que c'est la paix en Côte d'Ivoire si on cherche? Le contraire, vous devez soutenir Lolo Beauté. Vous devez soutenir Lolo Beauté. Parce qu'aujourd'hui, là, ma tante, tu es gentil. Samira Koukou. Kwaku, tu es gentil. Tu es honnête. Maintenant, tu rentres dans un coin à café en Europe là-bas. Et puis, tout le monde connaît les vidomans qui insultent les dirigeants partout. Et puis, on dit, tu es ivoirienne. Toi, tu es ivoirienne. Les gens vont te traiter d'impoli parce qu'ils vont dire, les ivoiriens sont impolis. Tu connais les Français. Ils vont mal te regarder à cause de qui? Quand l'idée de Drogba est parti jouer comme elle a fait à Galatasaray, ou bien je ne sais pas si c'est au Tunisie ou bien quoi, ça a réveillé. Tous les Ivoiriens ont eu accès. Les Ivoiriens ont témoigné que grâce à Didier Drogba, nous les Ivoiriens, aujourd'hui on a eu club en Tunisie ici, en Turquie. Voilà. Nous les Ivoiriens, on a eu club en Turquie ici. Mais vous êtes connectés. Simplement pour vos poches, intérêt personnel. Donc, comme là-bas, il n'y a pas intérêt. Regardez comment les pros l'ont créé. Comme c'est que là-bas, il n'y a pas à moitié, mais là-bas, ils seraient premiers là-bas. Donc, quand ils sont partis, ils sont premiers là-bas. Mais vous faites honte à la nation. Voilà bien. Faites très honte à la nation. Allez-y. Continuez. C'est votre meilleure sensibilisation ici et là. Continuez à insulter les gens. Insultez les dirigeants. On vous regarde. Comme vous qui connaissez le programme déjà là, insultez-nous, on vous regarde. C'est même pas sensibilisation, vous faites. Je vous dis aujourd'hui. C'est même pas sensibilisation. Je n'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un pour aller en sensibilisation. Moi, c'est Nikamba. Si il y a 10 000 là, ça peut payer mon transport aussi pour aller et tout. Dormir dans la maison où mon papa loue. Dormir dedans. Ou bien aller dormir chez un ami. Aller prêcher dans le marché pour sauver la nation. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Va chercher travail. On t'a dit c'est que c'est un mois là, toi tu portes chaussures. Sans moi tu peux porter chaussures. Les tagadis, les maudits comme ça, tu peux pas insulter ton papa, c'est les dirigeants qui sont. Quand il y a les cheveux du blanc dans la salle là, ton papa a ça. Il cherche l'argent, il cherche quoi? C'est la vérité te dit. Moi mon père a dormi au Boussa à côté de Babou parce qu'il était pro Babou. Mais aujourd'hui il a quoi? Qui le connaît? Parmi tous les enfants de mon père, qui connaît un? Je suis la seule personne qui n'est pas arrivée loin à l'école. Je suis la seule personne qui n'est pas arrivée loin à l'école. Mais, et puis j'ai pris mon chemin. Moi seul, j'ai pris mon chemin. Qui le connaît? Vous êtes là, pour intérêt personnel. Même si le pouvoir change tes parents, tu n'as pas mangé. J'ai honte même. J'ai honte pour vous. Voilà le blague. J'ai honte pour vous. Mais commencez à vous insulter. Lundi, mon sujet clé. Où est passé pro Côte d'Ivoire? Lundi, mon sujet clé dans la rue. Où est passé pro Côte d'Ivoire? Parce que vous faites la honte à l'Afrique. Vous avez compris? Faites honte à la Côte d'Ivoire. Faites honte. Maman Lolo Beauté, moi je te dis merci beaucoup. Merci. Parce que moi, souvent il y a tes vidéos, je ris. Quoi. Les gens commentent. Je suis là, ils regardent. Je ris. Mais cette vidéo d'hier là, tu as prononcé rien que la vérité dedans. Rien que la vérité t'a prononcé. Il y a des Ivoiriens qui sont connectés, ils ne sont pas concernés. Parce que eux là, ils sont très polis, ils ont reçu une éducation, pas comme celui-là qui est venu sur ma page, est venu insulter ma mère. Quoi. Ils ont reçu leur éducation, l'éducation de leur père, de leur mère. Ils savent qu'ils ne sont pas connus dedans. Mais je suis déçu de vous. Je suis dépassé de votre comportement. Analysons tous.
le discours de Lolo Beauté pour aller jusqu'à la profondeur. Chaque vidéoman a qu'à prendre pour lui, puis il n'a qu'à la profondeur. Et c'est, si les vidéomans ne font pas honte aux Ivoiriens qui sont en Europe là-bas, hein? Tu t'envoies dans le coin de café, on dit tu es Ivoirien, tu as honte de rentrer. Tu rentres dans un salon, je suis Ivoirien, tu as honte. Dans n'importe quel pays africain, les présidents ne sont pas. Tous les présidents ne sont pas, on n'est pas tout le monde qui aime les présidents. Mais pour nous là, on a soulevé, on a chargé en train d'insulter les dirigeants. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Mais dites de vous à moi. Pas parce que je vais prononcer le nom de M. Ouattara, vous allez prendre ça pour charger. Pour dire que peut-être oh, il est en train d'insulter Ouattara. Dites de vous à moi. On te cotique. Le travail qu'il a fait là, c'est aveugle. Ou bien c'est posteur qui est collé en Côte d'Ivoire ici. C'est posteur. Est-ce qu'il va partir avec? Est-ce qu'il va partir avec? Eh? On n'a pas encore vu travailler de quelqu'un d'autre. Mais à quoi c'est d'être pressé? En train de jurer partout? Ah, mais je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu de vous. Personne ne me donne 5 francs. Je n'ai pas besoin de vos 5 francs pour faire ma sensibilisation. Je n'ai pas besoin de vos miettes pour faire ma sensibilisation. Celui qui ouvre son cœur et puis me dit, mon petit, tu es en train de faire quelque chose de normal là. Je fais. Tu as compris? Je fais. Le contraire, soi-disant Jean Lopez, il cherche buzz. Moi, j'ai déjà buzz. Tu as compris? Moi, je chante. Quand je mets sur ma page, ça prend. Tu as compris? Je cherche buzz. Tu as été très mal éduqué parce que quelqu'un qui tu es sûr, ton papa, il dit, il ne faut pas être sûr, ton papa, il cherche buzz. Il cherche non. Tu as été très mal. Tu as raté ton éducation. Reste à côté des parents. Même si ton père ne vit plus, ta mère ne vit plus. Reste à côté de ta grand-mère. Ou bien, va plusieurs fois au village. Vous avez compris. Va plusieurs fois au village. Si vous ne savez pas comment votre vie est devenue bizarre là, c'est que vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Vous avez compris. Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant les Ivoiriens. Elle a bien proposé, elle a bien dit. Elle dit, quand tu fais un commerce en Côte d'Ivoire, c'est pas Européen qui a venu même médicament dedans. C'est pas Camerounais. C'est pas truc. C'est ton propre Ivoirien qui a mis ça dans ton article. Preuve contraire, vous savez. Où ça est? Moi, la sensibilisation est faite là. Je suis derrière qui? Je m'adresse à tout le monde. Je suis derrière qui? Quand il parle d'évidemment, il attaque tout le monde. Je suis derrière qui? Mais, comme je suis assis au pays, donc il dit, il est pour Ouattara. Donc tout le monde est en train de me pointer du doigt. Tout le monde, d'autres savent que non. Comme il est connu sur les réseaux sociaux, on va chercher à insulter, qui a insulté sa maman. Est-ce que c'est Camerounais qui est venu insulter ma maman? C'est mon propre frère Ivoirien qui est venu insulter maman. C'est mon propre frère. Voilà un encore qui s'appelle Wilfried Hero, garçon climatisé. Il a climatisé chez toi. Je sais. Maintenant, quand tu me dis tu es bête, que je suis bête, mais c'est un bête qui écoute son ami bête. Et puis c'est un bête qui sait insulter son ami bête. Tu n'as pas de discours concret pour me convaincre parce que tu n'as même pas un mot-clé pour me donner. Est-ce que ce qu'il dit n'est pas raison, vu le comportement de ton propre frère en Europe? Vous vous êtes divisé, mais c'est honteux. Vous vous êtes divisé pour un pays. Il n'y a jamais pour de ce pays-là. Mais c'est honteux. Moi, j'ai la grande gueule. Je peux sortir, parler matin, midi, et puis rentrer. Personne ne paye mon transport. Vous allez me croiser lundi. Sujet de lundi à 9h. D'où est passé pour Côte d'Ivoire? Je travaille. Vous voyez mon apprenti? Faut faire un peu. Tu vois un peu. Quand il y a de la, tu vois un peu que c'est compris. Non. Faut pas trop appuyer. Quand tu appuies, parce qu'on a coupé dessus juste. On a coupé sur le trait. Donc, c'est pour ajuster. Donc, faut pas tailler comme ça. Par exemple, si tu appuies, qu'on te pose dessus. On appelle ça d'après le côté pause publicitaire. Je travaille avec un CNFO ici. Qu'on ne vient même pas de même ville. Moi, il vient de Bourgogne, il vient de Korogo. Quand, si tu fais d'une manière là, genre quand on dépose là, ça ne prend pas. Est-ce que ça ne prend pas. Tu dois tailler juste quoi. C'est comme ça. Vous avez compris. Mais vous êtes. Vous n'avez même pas le culot de s'afficher sur Facebook pour parler. C'est vous avez grand cœur. Oh! 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 Même si Lolo Beauté, elle est djandjou, matin, midi et soir. Et toi, tu n'es pas djandjou qui ne respecte pas tes parents là, tu vois quoi? Entre toi et puis moi, entre toi et puis Lolo Beauté, qui va partir au paradis? Qui va partir au paradis? Lolo Beauté n'a jamais insulté son papa. Il n'a jamais insulté sa maman. Il n'a jamais pointé du doigt à quelqu'un pour l'insulter. Si c'est pas Don Giovanni. Don Giovanni, il est très sauvage. Il n'est pas intelligent, Don Giovanni. Je vous le dis, il est très sauvage. Ne le soutenez pas dans ça. Il est très sauvage. Il est très bête. Don Giovanni est très, très bête.
Voilà. Moi aussi, encore de verser pile poil. Quand je passe, il y a les gens qui crachent sur moi. Il y a les gens qui prennent l'eau pour me lapider. Hey, mais c'est eux qui n'ont rien compris parce qu'il fait chaud en Afrique. Tu me lapides de l'eau. Je viens, me lave, ça passe. Ça passe. Donc, Giovanni, c'est un idiot. C'est un escroc. Il n'est même pas intelligent. Quelqu'un qui se met sur la toile en train d'insulter les gens, dit deuxième mort. Il dit, on doit être content parce qu'un braqueur est mort. Est-ce que c'est normal ça? Un homme comme ça, il rentre au pays, qu'est-ce qu'on doit lui faire? C'est que vous n'êtes pas les fans de Daisy, champion. Un homme qui se met sur la toile en train d'insulter les dirigeants. Et puis demain, parce que l'homme est en train de faire un discours, il se met de passer. C'est lui qu'on appelle Cherche Buzz. Vous avez compris? C'est lui qu'on appelle Cherche Buzz. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Je n'ai pas peur de quelqu'un. De la manière dont je parle là, au quartier ici là, plein de personnes me disent moi, je suis impoli. Oui, mais quand je les arrête, papa, maman, dis-moi les jus que moi j'ai prononcé sur toi. Il va commencer à bégayer parce que moi je ne parle pas mes véridiques. Tu as compris? Je ne peux pas accepter qu'une femme est rentrée et un monsieur est rentré ici en train d'insulter mon apprenti tandis que en ce moment il dort en famille ici. Tandis que moi je suis couché en famille ici en train d'insulter mon petit comme ici toi. Et je me réveille, viens. Bon, ton petit est trop impoli, il m'a manqué de respect. Mon petit t'a dit quoi, monsieur? Il t'a dit quoi? Il t'a manqué de respect. Comment? Il peut rien dire. Il dit, mais le monsieur, j'ai entendu tout ton discours en train d'insulter ce petit. Le petit t'a même pas injuré. Hein? Vous faites honte à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Hein? Faites très honte à la Côte d'Ivoire. Vous voulez chercher à construire notre pays beau, notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est nous, on cherche à grammatiser tout. On cherche à empirer tout. Hey, ma page, c'est pour moi-même. J'ai dit, désabonnez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça à ses abonnés. Il dit, désabonnez-vous sur ma page. Voilà, désabonnez-vous. Les gens qui sont conscients, qui aiment la Côte d'Ivoire vont s'abonner. Désabonnez-vous. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit ça à ces gars. Mais là, si vous voulez, restez sur abonné. Je m'entends. Désabonnez-vous. Je suis à 15 000, à 16 000 quelques abonnés. Désabonnez-vous sur ma page. Parce qu'il ne fait pas les gens qui sont conscients. On insulte papa de quelqu'un que tu es content, tu as applaudi. On insulte les dirigeants. Là, ça n'a pas des enfants. On a vu quand monsieur Alassane Ouattara a perdu sa belle-fille. On a vu son fils, hein? Son fils peut me mettre au monde. Son fils peut me mettre au monde. On a vu son fils. Il a cheveux blancs, fatigué. Mais les coloris, les bandits duo qui s'insultent les gens. Je n'ai pas encore vu l'enfant de monsieur Soro qui va fourrer Goumé. Après ça, lui, il appelle mon oncle. Mais qu'est-ce qu'il pourrait s'il voulait faire enfant de son enfant n'avait pas arrivé comme moi. Les bandits qui sont connectés. Soura fait un. Alassane fait un. Quel est votre niveau d'études? Votre foyer, vous n'arrivez pas à gérer. Votre femme vous gère. Votre femme vous manipule. D'après le beauté. Ta femme souhaite être exclue. Tu ne peux rien dire. Et puis c'est vous allez venir s'asseoir ici partout. Matin, midi, soir, tu me suis dit, les dirigeants. On ne vous parle pas. Parce qu'on ne peut pas vous parler. Moi, je ne cherche pas l'argent. S'il était derrière une seule personne là, moi, c'est littéralement ma poche, j'étais déjà rempli. Mais ça, on appelle ça. Demain, ils vont te détruire. Voilà. Ils vont te détruire demain. Demain, là, tu ne seras pas quelqu'un dans la vie. Demain, là, ils vont te tuer demain. Arrêtez d'insulter les dirigeants. Il s'agit de ça. C'est quand l'autre beauté a. Elle a généralisé tout le monde. Elle a mis tout le monde ensemble. Excusez-moi, je t'aime. Si monsieur peut tromper. Elle a mis tout le monde ensemble. Pour pouvoir mettre un point sur les Ivoiriens qui vivent en Europe. C'est clair. Donc, je vais aller faire la politique. Il fait la politique. Compris. Donc, je vais aller faire la politique. Tu as compris. Vous cautionnez ça. Vous acceptez. Quand quelqu'un insulte Ouattara jusqu'à. Quand il revient vers Ouattara net là, tous les pro Ouattara sont contents. Lui, il est revenu à la raison. Mais est-ce que quelqu'un va venir? Il ne veut pas insulter les autres dirigeants aussi. Il vient pour insulter les autres dirigeants aussi. Raison pour laquelle moi, comment elle s'appelle même? Elle s'appelle même Gouza, comment Gouza? Elle ne me plaît pas. Je l'ai posé comme à moi, mais son discours ne me plaît pas parce que tu es insulté un dirigeant. Quand tu viens t'arrêter, tu dois insulter l'autre dirigeant. Ce qui veut dire que tu n'es pas, tu es très impoli. Tu es très très impoli. Donc je ne rentre pas dans tes discours. C'est compris. Je ne rentre pas dedans. Johnny Pacheco, je ne rentre pas dans le discours de Johnny Pacheco. Je m'en fous. Seulement qu'il revient, il revient normal, mais il n'a qu'à arrêter d'insulter les autres personnes. C'est tout. Quand tu reviens sur un point, il y a les pro-Ouattara qui font la sensibilisation, puis ils regardent qu'ils n'ont jamais insulté quelqu'un. Il ne fait que parler de la population. Et ils disent que la Côte d'Ivoire d'abord. Ouais. Et ils disent simplement la Côte d'Ivoire d'abord. Je ne suis pas caché, mon magasin n'est pas caché. De quoi vous me dites? Moi, ici, là, il y a un pro-Soro qui est quitté en Espagne. Il était en Espagne, il est venu en Côte d'Ivoire tout de même, il est reparti. Mais il a des jumeaux là, c'est moi-même qui ai fabriqué ses chaussures. Il est venu qu'ici? Ici. Quel jour? Toad. Le Toad.
Je sais souder un tôle, mais c'est où ça? Lui, d'accord. C'est chez vous. Il y a échelle. Lui, il y a échelle. Le gagnant est parti souder un tôle tout à l'heure. Ah, je suis gagnant. Il vient tout à l'heure. Bon, va payer le flou 600. Ouais. Tu payes le flou 600, c'est ce qu'on fait. Il faut payer le flou 600, tu payes le charbon. Et puis tu payes quelqu'un qu'on prend pour souder le tôle là. Faut que aussi tu viens. Y'a un couteau. Tu payes ça, tu viens. C'est pas. Une machine là-bas. C'est un diable qui font machine, ils vont bâtir marché. Non, il n'y a pas de toi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que quand tu apprends les gens qui prennent. Excusez-moi. Quand tu apprends les gens qui les gagnent là, ils vont venir marcher là où c'est qu'ils vont marcher. Demain, ils vont venir souder encore. C'est bon, mais souder pour moi là. Ouais, ouais. Tu vois un peu. Moi, souder pour mon voisin, pas dit prends gagner. Ils vont venir marcher là où c'est qu'ils vont marcher. Demain, tu vas la piler. Or, oh, si moi je m'en vais, il sait que ici là, si tu vois là. On connaît cette famille. C'est, voilà, cette famille ici, il fait ça mal là. Mais qu'il y a un travail, il y a le CFA, il se détole de quelqu'un. On n'est pas de même, vous êtes très bêtes, vous êtes sauvages de la terre, vous êtes couché en Europe. Matin, ils disent qu'ils sont en train d'insulter les parents des gens. Et puis vous dites donc vous êtes musulmans. Et puis, ce qui me fait mal là, il y a ta Sabia devant votre voiture. Et puis quand vous insultez les dirigeants, vous êtes content dans ça. Même la salle va plus. Hein? Non, mais. Je suis déçu de vous. Je suis déçu. Je vais m'arrêter là. Celui qui se sent concerné, il dit bien, décollectez-vous, désabonnez-vous, suis-moi ma page. Il n'y a pas quelqu'un qui a page et puis dit ça à ses abonnés. Tu ne te sens pas à l'aise. Qui suis ma page? Je n'ai pas besoin des inconscients qui ne respectent pas les parents. J'ai besoin des gens qui sont conscients dans la tête, qui savent qu'ils ont été saints de leur maman. Qui savent que toute femme, comme on appelle les femmes qui se promènent là, nous tous avons même maman, même papa là. La côte va partir à tout le monde là. Ces gens de personnes vont s'abonner sur ma page. C'est tout. Je m'en fous de quelqu'un. Personne ne m'envoie saint frère. Il s'agit de la Côte d'Ivoire d'abord. Il ne s'agit pas de pro-Y, pro-Z, pro-Tan. Il s'agit de pro-Côte d'Ivoire d'abord. Vous avez compris? À bon attendant, salut. Mon numéro WhatsApp là, vous le connaissez. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu viens t'as trop fait dans ce premier Dieu. Ça va aller où? Les bandits sous les cafards comme cela. Parce qu'on vous laisse. Tellement le beauté vous insulte là. Elle a au moins 3000, 4000. Elle était combien même? Elle était en direct. Qu'elle a coupé son direct. Elle avait 100 000 vues. Qu'elle a coupé son direct. Elle avait 100 000 vues parce que vous tous vous dites le beauté est poli, mais vous êtes chargé sur sa page là-bas. Général Makosso ne dit rien de bon. Vous êtes chargé sur sa page là-bas. Il ne dit rien de bon. Toi-même, tu as quoi? Quel général Makosso? Tu as quoi? Il s'agit de la vérité. Il s'agit de ce qui est véridique. Ouais. C'est tout ce qui est véridique. Donc, tous ceux qui sont connectés sur ma page, qui pensent que moi je suis un petit frère, ou je pense que je suis encore vivant, donc je n'ai rien. Quittez sur ma page. Quittez sur ma page parce que vous n'êtes rien. Tous ceux qui insultent les dirigeants là, quittez. Quittez sur ma page, désabonnez-vous. Si elle dit abonnés là, moi je vais continuer. Avant, je faisais vidéo sur ma page. Je ne faisais pas vidéo. Et ça, avant là, quand je me connais, il n'y a même pas eu 10 personnes. Avant, je ne connais pas 10 personnes. Mais si on dit 100, 200, 300 personnes sont connectées, que je suis connecté. C'est qu'elle dit quelque chose de concret. Maintenant, ceux qui sont concrets, ils vont appeler les amis qui sont concrets. Les enfants de Dieu sont rares. Voilà. Ouais, comment il s'appelle? Oh, Justin Zongo. Je vais te donner mon numéro. Excusez-moi les gens qui sont en train de liker. Je vais donner mon numéro à Justin Zongo tout à l'heure. Je te donne mon numéro. Là, 85, non, voilà. Non, là, voilà, je t'ai envoyé mon numéro. Ouais. Je t'ai envoyé mon numéro. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Tu peux m'appeler. 85, voilà, c'est ça. Tu peux m'appeler. N'importe quelle heure, tu peux m'appeler. Voilà. Donc, moi, je m'entends de quelqu'un. Il s'agit de Poro Côte d'Ivoire d'abord. Il s'agit de la jeunesse d'abord. Il s'agit des enfants. Les enfants, après, viennent la jeunesse d'abord. Mais vous avez créé les filières partout. On dirait, on dirait au collège, il y a plusieurs de matières pour une seule tête. Pour un pays, il y a plusieurs de groupes pour un pays. On rentre à la Côte d'Ivoire. Et comment on va faire pour rentrer en contact avec tout ça là? On doit créer les partis politiques pour dire on soutient tel côté, on soutient tel côté, on soutient tel côté. Avant, moi, j'ai fait mon son, il dit FR Zoulou. Tout le monde m'a traité de pro-Ouattara. Tout le monde m'a appelé une bosse pour m'insulter. Tandis que quand Bobo était désordonné là, il fallait mettre Bakayoko pour arranger à Bobo. Quand j'ai chanté qu'à Bobo, il y a plus de problème à Bobo ici. Vous avez apprécié. Mais quand il chante à Bobo a changé là. Oh, il est devenu politicien. Tout le monde vous êtes tous les. Les maudits, les cafris. Voilà. Les maudits, les cafris. Mon numéro, il a mis ça. Tu veux mon numéro?
Tu veux mon numéro? Faut pas dire sur ma page, il y a mon numéro là-bas. Bonjour madame. Lui aussi je suis. C'est beaucoup, non, là il y a gagné 10 000. Combien? Donc. Vous avez compris, si vous êtes trop fâché, désabonnez-vous. Tu as compris? Tu n'insultes pas ton papa qui est à la maison. Tu insultes. Tu insultes papa des gens. Ok, c'est mon numéro qui est là. Tu peux m'appeler n'importe quelle heure. Tu peux m'appeler. Ouais, après. Oui, oui. Si tu as fait avant, tu trouves la pharmacie Plan B. Pharmacie Plan B. Il n'y a pas de problème. Si j'ai fini, vous trouvez là-bas. Comprends le numéro là. Ah, le métier amène le droit. Là, où est le sillage là? C'est pas. Vous êtes à terre. Vous êtes à la île. On va encore la pipe de pépé. Merci, au revoir. Merci, il a travaillé.